mise en jeu. Ouais, ça cherchait la zone intérieure. Obligé de ressortir le ballon. 10 secondes pour Dietrich qui doit prendre ses responsabilités. Passe une heure. Passe à une Pauline Astier qui était là, qui est obligé de montrer l'exemple sans réussite. Mais ça va vite. Dietrich, interception. Julie Allemand qui réclame la balle. Ça sera finalement pour Marie Johannes. Grande ouverte. Efficace en attaque. Et là, elle a été vraiment aussi impactante en défense. Elle a pu arrêter ce panier d'Anderson. Dietrich à 3 points. Oh là là, seconde. Parce que là, les joueuses de l'ASVEL récitent leur basket. Et au rebond, voilà Alexia Chartero. Dietrich, elle se faufile. Dietrich qui passe. Extérieur et aussi avec de la vivacité. On a vu quelques bons drives. Joue à l'Astrobal. Avec Dietrich, les drives sont conclus des deux côtés. Johannes, on attendait Allemand. C'est Dietrich. Oh, intelligemment fait et ça montre aussi la force de cette équipe. Dietrich à 3 points. On a un beau match de basket avec un scénario passionnant. Le match est lancé, il y a toujours quelque chose à faire sur le terrain. Allemand, avec la pression de Steinberga, ça ne refuse pas le tir du côté de Dietrich. Et puis, la belle libération pour Dietrich qui ne refuse pas un shoot. Défendu par Yvonne Anderson, elle est passée dans le 1 contre 1. Ruda, 6 secondes sur la possession. Dietrich qui se rapproche. Et c'est vraiment bien joué à chaque fois, elle se laisse pas embarquer, elle se laisse pas... Plus 3 donc, au total des deux matchs pour Bourges. Dietrich, le slalom, le cross, à main gauche. Yem Steinberga, c'est superbe. Quelle chaleur à l'Astrobal avec une Blake Dietrich décidée de... Quel enjeu. En direct sur Sport en France, au bout de la nuit. Ruda. Oh, il a utilisé, mon cher. Dans le sas. Le tir à 3 points. Il garde ce goût-là de ne pas avoir réussi à faire la différence. Quevedo, encore une extra passe. Excellent timing de passe. Surtout qu'on a d'un côté une équipe qui joue collectif, qui pousse la balle.